Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour son pontificat et demandons-lui de nous purifier. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Par l'intercession du pape Saint Grégoire, accorde un esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage, nous avons rejeté toute dissimulation honteuse, nous n'agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité, et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur tout entier. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Comme je le disais tantôt en début de célébration, toute l'Église célèbre un grand pape, le pape Grégoire. Grégoire, et on a ajouté le grand, eu égard aux grandes réformes, profondes réformes qu'il a apportées dans l'Église. C'était un préfet, il avait étudié le droit. Donc, il était préfet, et puis à un moment donné, il s'est senti appelé à une vie beaucoup plus en communion avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à sa charge de préfet, et il distribue ses biens aux pauvres. Il transforme la maison paternelle en un petit monastère. Et là, avec certains de ses compagnons, ils se mettent à vivre
leur vocation. Sauf que le Seigneur a changé ses plans. Alors, il est ordonné diacre, et puis après, il est envoyé en mission comme nonce apostolique, on va dire ambassadeur. Et puis, il revient. Quand il revient, dans son imagination, il allait reprendre sa vie monastique. Mais là, le pape Pélagie décède et on le désigne comme pape. Quand bien même qu'il ait résisté un peu, là, non. Le choix du Seigneur s'est posé sur lui. Alors, il avait quand même une grande expérience de l'administration, de la gestion de l'administration. Donc, imaginez les grandes réformes qu'il a apportées à l'Église. Au niveau même des relations diplomatiques, au niveau pastoral, sur le plan pastoral, c'était quelqu'un qui avait le cœur dans la main, prompte à partager, à donner. Et on raconte qu'il aidait beaucoup l'Église par ses biens personnels, c'est bien lui, il était issu quand même d'une famille qui avait quelques moyens. Et donc, il était très généreux envers même ses prêtres et envers des communautés assez démunies, les pauvres. Eh oui. Et sur le plan pastoral également, il a beaucoup écrit pour redéfinir un peu la charge épiscopale. Il a redonné un évêque. Qui est un évêque? Que doit faire un évêque? Un prêtre? Quel est le rôle des baptisés dans l'Église? Il a beaucoup écrit aussi à ce sujet. Et il y a quelque chose de très intéressant quand il dit ceci. Le chrétien doit tirer de l'Écriture plus une nourriture quotidienne pour son âme que des connaissances théoriques. Le chrétien doit tirer de l'Écriture plus une nourriture quotidienne pour son âme que des connaissances théoriques. Qu'est-ce que ça veut bien dire? La parole de Dieu est toute nourriture. Nourrit notre âme. Ce n'est pas une question d'être intellectuel. Je veux savoir pour savoir. Dès l'instant où je cherche à scruter les Écritures, à connaître qui est le Seigneur, mais ça m'engage à poser des actes conformes à l'enseignement de la Sainte Écriture. Qui dit. Donc, il invite tous les... Et puis, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, comprendre est inutile si cette compréhension ne porte pas à agir. Comprendre est inutile si notre compréhension ne nous porte pas à agir. Je disais tantôt qu'il a redéfini un peu la responsabilité des baptisés dans l'Église, leur engagement, l'action et l'action concrète. La prière, oui, mais l'action, à l'image de notre Seigneur. Les plus anciens connaissent le chant grégorien. Les plus anciens savent ça. Alors, il y a eu quelques réformes liturgiques au niveau de la messe et aussi du chant qui a donné son nom, le chant grégorien. Donc des fois, ici à Saint-Pédis, Claude Robin donne quelques chants grégoriens. On entend souvent des chants grégoriens. Kyrie. Et
bien d'autres champs. Alors, donc, voici quelqu'un qui a travaillé et on nous rapporte qu'il était très humble. Très humble et sa devise était serviteur des serviteurs de Dieu. Et donc maintenant les papes ont gardé serviteur des serviteurs de Dieu. Le pape comme serviteur des serviteurs. Il était au service du peuple que le Seigneur lui a confié. Alors, il a beaucoup écrit. Vous pourrez aller chercher sur Internet. Il a laissé une bibliothèque à l'Église sur tous ses enseignements et ses homélies. Il y a de quoi se laisser nourrir par ses enseignements. Demandons-lui de continuer là où il est à soutenir l'Église, les évêques, les prêtres et tous ceux qui sont engagés, tous les baptisés, pour que chacun prenne à cœur sa mission. Nous allons prier aussi pour le pape qui est présentement en Asie pour une tournée, une visite pastorale. Prions pour lui pour que cela apporte beaucoup de fruits. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Grégoire, cette offrande nous soit profitable. Car tu as voulu que, par l'oblation de ce sacrifice, soient remis les péchés du monde entier par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Nous le rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Grégoire le Grand. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez ce calice, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les papes, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tous les consacrés de feu. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté sur Gisèle Caron, qui te rend grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sur les malades, sur les pasteurs persécutés dans leur mission, ceux qui sont affaiblis par l'âge et la maladie. Et nous te prions également pour la paix dans le monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché.
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui nous unit le
gloire et siégera auprès de lui. Prions encore le Seigneur. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le Christ, pain vivant, forme-les aussi par le Christ, le seul maître, pour qu'en la fête de Saint Grégoire, ils soient instruits de ta vérité et les mettent en œuvre dans la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons vous rappeler que la diffusion de nos célébrations va reprendre à compter du mardi prochain. Il y aura les messes enregistrées. Donc, on va se mettre sur le grand autel pour la messe. OK? Voilà. Et il y aura aussi la diffusion sur notre chaîne YouTube, les mardi, les mercredis, samedi et dimanche. N'oubliez pas, le dimanche prochain, c'est le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne fête à ceux qui se prénomment Grégoire.